Bon, faut, en fait, faut lâcher le burin. Ah, il y a un puits, ouais. Oh, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On prend les mêmes, on recommande, on a Jus derrière. On dirait vraiment un remake de la vidéo d'il y a un an. Faut savoir qu'on n'a pas pu y retourner jusqu'à la salle de l'os depuis un an parce que les courants d'air en été ne le permettent de pas trop pouvoir faire ce qu'on veut. Donc là, il y a de la neige comme vous pouvez le voir. C'est le moment, les courants d'air ont dû s'inverser. Donc on retourne dans ce fameux trou, l'aiglon, pour aller explorer la suite. Allez, let's go. T'es chaud, Juju? Allez, c'est parti. Let's go, je sais pas dans quel état on va ressortir. Après plus d'un an, on a reformé une équipe avec l'assaut d'Aix-les-Bains-le-Revard pour continuer l'exploration de l'Aiglon, où nous avons trouvé un os à moins 300 mètres l'année dernière. Notre objectif est toujours de ressortir de l'autre côté de la montagne. L'eau sort bien quelque part et il va falloir trouver où exactement. Lors de cette sortie, je vous emmène donc en immersion dans une exploration poussée à l'extrême. Je vous préviens, c'était pas du tout repos, surtout qu'à la fin, j'ai eu un accident lors de la remontée. Je vous débriefe ça en fin de vidéo. C'était majeur comme sortie, c'est vraiment pas tous les jours comme ça. Bah moi je m'enfonce un peu, mais c'est des animaux ça, ouais. C'est une biche ou un cerf. Là il y a eu un loup qui s'est fait plaisir là. Putain. La nature sauvage quoi, il s'est fait plaisir. Et dis-toi juste que là, quand tu vas retourner à cet endroit là, t'auras regretté d'être descendu. Grave. Allez, let's go, on y va les gens. C'est libre. Wouhou. Et voilà, on est de retour dans le trou. Donc allez, on descend tout en bas. On essaye de faire ça vite. Et il y a beaucoup de boulot. J'ai trop hâte de revoir l'os et de voir si on peut aller plus loin. Ça, c'est beau ça. Allez, c'est parti, on y va. On file dans le trou. Par là. Voici la carte qui va vous aider à nous situer lors de cette vidéo. On a du boulot avant d'arriver jusqu'en bas. Donc, on perd pas de temps et on y va. Ah, c'est bon, c'est parti. Ouais, c'est un peu c'est un peu pierrier quoi ici hein. Vive les casques. Allez, j'ai tellement hâte de retourner en bas. Ça fait un an que j'attends. Et la spéléo, c'est le feu. On est beaucoup aujourd'hui, on est 7 je crois. Ça a attiré du monde cet os. Regardez-moi ça. C'est beau. Il faut aller à moins 300 mètres. Let's go. On arrive bientôt à Coloscopie là, non? Ah oui, c'est vrai, il y a le petit boyau là. Le fameux. Le retour des étroitures. C'est parti. Allez, à tout à l'heure. Je crois que c'est là, on va passer. Ça va tout droit. Dans le petit clou. J'aime bien, c'est le check-up pour voir si t'as grossi en un an ça. Oh putain. Ok. T'es la tête la première ou pas? Il est premier. Ok, pareil. Pied devant et on y va. Let's go. Ouf. Ok. Et voilà. Ça m'a réveillé. Allez, Jus. On arrive au Coloscopie. On arrive à Coloscopuy, l'endroit où on a le croisement entre notre chemin de descente et celui qu'on va utiliser pour la remontée. Information plutôt importante pour la suite et surtout un nom de puits très très bien choisi. Mais regardez-moi ça. C'est dégueulasse. Bah. Il porte bien son nom. Donc là, petit fractionné dans la bouillasse. Tu te longes, donc tu peux en mettre deux si tu le sens, pas trop. Moi je vous avoue que là, je suis plutôt bien assis et calé. Et on s'en bat les pieds. Regardez les genoux qui frottent. Et le bruit bien fap-fap. Ah, il faut aller en bas puis remonter dans mes souvenirs. C'est ça, hein. Je vais quand même me longer. C'est libre ou pas? Parfait. On va arriver vers des puits où on a potentiellement un P120, donc c'est
120 mètres de vide. Donc en comparaison, la tour Akbar que j'avais grimpé, 150 mètres. Imaginez-vous, sous terre, 120 mètres. C'est beau. Super. Ah oui, t'es là. Putain, là, on arrive vers une merveillosité de la Savoie. En fait, faut se dire que bon, là, il y a un petit ressaut, mais après, t'as quand même plus de 100 mètres de gaz. Hein. Ouais, plus de 100 mètres de vide. Ouais. Imagine, tu fais ça en extérieur. En quoi? Ça, avec la lumière extérieure. Ah ouais. Ça doit faire pas les mêmes sensations. Ça, c'est super, finalement. C'est sûr. La dernière fois, en gros, je vous ai pas trop expliqué, on était vite descendu. Mais je vais vous expliquer un peu plus comment ça fonctionne, parce qu'en vrai c'est assez engagé, ça c'est engagé, mais c'est ça qu'on aime. Le fonctionnement est plutôt simple. On a divisé les 100 mètres en plusieurs fractionnés, pour éviter que la corde soit trop élastique, si on devait du coup descendre d'un coup. Les fractionnés impliquent donc de transférer son système de rappel d'une corde à une autre pour continuer à descendre. Donc c'est important de bien savoir ce qu'on fait et de connaître son matériel. Donc ok, première descente. Partout de là, faut plus la mettre. Donc là on descend. Tranquillement. Hop là, on arrive à une petite plateforme. La petite plateforme, elle est belle, on est tous d'accord avec ça. Elle est rassurante. Mais en fait, c'est juste des rochers coincés. Et pour vous montrer, regardez-moi le vide. On lève celle-là. Et là on descend les gens à fond, enfin à fond, ce qu'on peut quoi. On voit les garrots, ouh ça, elle tangue de ouf celle-là. Fais les bras. Et voilà, 40 mètres. Et là vu qu'il y a des gens au-dessus, on va éviter de se prendre des pierres sur la gueule. Et on y va. Ok, let's go. Donc il nous reste encore deux puits et on arrive à moins 280 pour faire la suite. Let's go! Le dernier puits. Bon. C'est là. Bon. Bon l'équipe, on est arrivé à la salle Raymond Constant. Et là, on retourne dans l'endroit le plus compliqué, le plus serré que j'ai jamais fait. On l'a équipé depuis, donc vous allez pouvoir voir ça. Et après, on arrive bientôt à l'os, hein, dans très peu de temps. Allez, on voit Jules en galère là-dedans. Et voilà, de retour en bas, lors de la dernière vidéo de la découverte de l'os, je vous avais pas montré l'équipement des étroitures devant nous. Ça nous facilite énormément le passage des sacs pour éviter de se crever à la tâche. Mais néanmoins, on a une modification à faire pour que ça soit encore plus facile, et ils m'attendent parce qu'ils sont pas sûrs du spot. On attaque vraiment les pires étroitures. Vous allez voir, c'est un autre game. Le casque passe pas. Le casque passe vite fait. Okay. En fait là, il y a un passage où vous êtes. Je vais vous dire, moi je m'en rappelle très bien, mais là je vois pas quoi. Ouais, mais je crois que c'est encore plus loin là. Ouais, mais je crois que c'est un peu plus loin. C'est ouais. Plus loin là. Ah, pourquoi je suis à côté? Mais bon. Ouais. Ah oui, non, là, c'est encore plus loin. Ouais, merci. Là, oh, non, c'est bon. C'est un peu convivial. Là, ça passe, cette boîte aux lettres. Ok, kit. Ouais. Tiens, kit. Je prends le mien. Il y a un peu de place là-bas? Là, de ouf, ouais. Vas-y, fais voir. De ouf. Pas comparé à ce qu'on a fait, de ouf. Là, ça sert à rien que les autres ils s'engagent. Ouais. Ou alors ils descendent par là. Ouais, il faut descendre totalement là. En gros, là, ce qu'on cherche à faire, c'est à modifier le passage de la corde qui descend vers le bas
à la faire passer tout droit pour éviter les frottements et surtout ça a l'air beaucoup plus facile pour la remonter. Donc je descends avec Billy décrocher la corde et enlever les plaquettes. Le matos ça coûte cher, il faut en récupérer un maximum. Et une fois que c'est fait, je les laisse bosser et je descends jusqu'à l'os. Bientôt, à l'endroit où il y a l'os. C'est toujours une mission putain. Sacrée mission. Allez. Il y a plus d'eau qu'avant. Bon, aïe, oh, ça fait mal au cul. Ça fait mal toi. Oh, ça là. Oh. Let's go. On est de retour à juste avant l'os. Change les batteries de GoPro, change les batteries de lampe. On est tout seul. Donc ils vont nous rejoindre après. On retourne à l'os et on essaie de trouver la suite. Bon, batterie de GoPro changée. Hop, petit sac étanche. Et là, on a du boulot. On a mis 2h30 à descendre. On a speedé de ouf. Peut-être presque 3h. Et là, on reste 3 à 4 heures en bas. On va trouver la suite, faire des escalades, plein de choses. Donc c'est là que bah, vous allez comprendre ce que c'est, la vraie exploration en spéléo et tout ce qui se passe. Je les quitte, on peut les laisser là. Oui, oui. Il y a un truc. Pas le mien, mais... On n'a pas le temps. T'en penses quoi, Ced? Ah ouais. C'est un os. Non, bah merci, putain. Enfin, les gens, ils me croient. C'est vraiment bizarre. La moelle épinière. J'arrive. Ouais. Faites gaffe, des fois, on peut faire tomber un peu de truc. Allez, hop là. Let's go. Ici, on a un don. L'eau est froide, hein. Oui. C'est libre ou pas? Ah. C'est moi. J'attends le kit. Fais gaffe, il est passé au-dessus de la corde, mon kit. Hop. Vas-y, lâche. Oh, patate. Je vais dire lâche. Il tombe plein dans la gueule. Bon alors, Cédric, t'es tombé sur un os? Ah putain, ça me rassure. C'est incroyable, hein. Ouais. Je vais en faire là, ouais. J'ai pris mon appareil. Il est où déjà? Ah oui, il est là, il est là, il est là. Bon les gens, regardez, on revoit bien l'os. Je vais en faire des photos. Et on va essayer d'explorer la suite. Par là-haut ou par en bas. Allez, prends des photos. Il est temps de parler de cette curiosité. On est en contact pour amener quelqu'un faire un prélèvement, mais déjà fallait venir faire des photos parce que pas grand monde nous croyait. Maintenant, nous voilà devant notre chantier. Ça devrait passer soit par en bas, soit par en haut. Je me suis donc occupé du bas pendant quelques temps pour vider l'eau de la cuve et voir si ça passait. Et en vrai, ça passait presque, mais vraiment, fallait se mouiller et pas sûr qu'on puisse faire demi-tour. Donc, va falloir revenir avec du plus gros matos. Par contre, la suite par le haut est beaucoup plus possible. Donc, on part sur de l'escalade sous terre, et ça, c'est beau. Ok, alors comment ça se clipse, ça? Ouais, ça se clipse mal. Ça, ils ont traîné où, ces plaquettes? Vous voyez laver, les gars, hein, franchement. Abusé. Ouais. Ah, c'est clipsé. Alors, où c'est que ça s'allume? Eh, bon. Ah, dans l'autre sens. Oui. Mais là, tu vas être bien pour percer. Ah, là, il faudrait que quelqu'un, en fait, quelle vitesse quand on est bon. Tiens. Et moi, je te tiens le cul. N'en profite pas trop. Ah ouais, c'est bon. Je prends la plaquette, la première. Ouais, elle est là. Bon, t'as su ou bien? Bah, ouais. Ouais. Mais après, le premier point. Hein? Pour les broches, les broches. Ok, broches, ok. En fait, là, on n'est pas censé. Là, au contraire, c'est la même l'inverse. Sur la corde, c'est sûr. Sur toi. C'est bon, en je fait, suis sauvé. Elle est entre tes jambes. C'est la cravate, et voilà. Bon, allez, on continue, les gens. À ce qui paraît, ça grandit de ouf. Tu me dis quand c'est bon, Yannick? Tu peux y aller? Ouais. Ouais. Il fait pas chaud, hein. Nous, c'est pas un moment qu'on est là. Je cherche un pied, là. Ok.
Ouais. Ok. Là, on y va, les gens. C'est pas facile, hein. Ok. Allez. Allez, les gens. Allons faire de la première fois, encore une fois. C'est serré, quand même. Il y a plus d'humains qui ont marché sur la lune qu'ici pour l'instant. Alors. Ça va ? Ah oui, ça va. Vu tout le monde qu'il y a derrière, oui, ça va. On arrive avec un kit et des cordes. Non, on a un peu bien, ça peut suffire. Ok, bah de toute façon j'arrive avec le burin tout de suite. Viens, viens avec tout. Ah, mais là faut t'attendre, en fait il y a une chatière qui donne dans un énorme puits quoi. Ah ouais ? On va aller voir ça, tiens. Un truc de malade. Ah, c'est gros derrière. Oh, l'écho, t'entends l'écho ? Alors tu veux que je monte pour essayer de taper au burin ? Moi je suis chaud. Chaud, vous tapez moi. Et le perfo, hey, perfo, vous l'avez pas emmené l'écho ? C'est toi qui l'avais ? Attends, je crois qu'il y veut. Mais t'inquiète, de toute façon. Tu as mis où ? Il va falloir qu'il va faire. Vous êtes passé à côté du perfo, là, tout ça se fuit, n'avez pas. Ça va les mineurs ? Non, on l'a pas vu. Vous l'avez pas vu. Et dans le boyau, je gueulais, j'entendais le truc qui résonne, je pensais qu'il y avait une salle. En fait, j'arrive là, je vois un énorme puits, je fais putain. Ouais, non, mais... Et surtout que le puits, hey, le puits, il tombe. Hein. J'ai une pierre. Bon, en fait, il faudrait chez le burin. Ah, il y a un puits, ouais. Oh, c'est beau ça. Ça a rebondi ou il est arrivé en bas mais aussi, ça a rebondi. Alors, comment je peux virer la chauve-souris? Bon, là, tu lui fais un petit câlin, ouais. Et elle va partir. Tu viens dans mes mains? Non, je vais la titiller un peu, je pense. Elle est où, je la vois pas. Elle est là? Ah oui, je la vois pas. Tu viens? N'aie pas peur. Oh, ah, putain. Elle est pas contente. Regarde, regarde. Oh. Bon, c'est vrai que là j'ai un peu laissé les passages en brut parce que je trouve ça top de voir nos sourires d'explorateurs souterrains contents d'avoir trouvé potentiellement quelque chose. C'est pas tous les jours. On l'a fait partir gentiment la chauve-souris pour pas que le marteau burin la traumatise et on creuse. Ça fait bientôt 8 heures qu'on est sous terre, le temps passe super vite. Mais on est 4 au même endroit et ça sert à pas grand chose. Juste un peu plus bas, 5 à 10 mètres plus bas, il y a un autre passage. Je suis parti l'explorer et creuser un petit peu. Ouais. Tu passes comme ça et t'es clair, tu vas voir que c'est grand. Hein. Ouais. T'as vu ? Hein ? Du coup, il restait pas grand chose quand ils ont terminé en haut, mais ça faisait bientôt 10 heures qu'on était sous terre. Je reprendrai la prochaine fois cette interrogation. Et on va du coup directement voir ce qu'il y a dans ce puits et ce qu'il nous faut du coup préparer pour la suite. Ça dit quoi là-bas ? On y va ! Pas encore, vraiment. Ouh, c'est quand même serré. Ok. Allons voir. Bah c'est où que j'ai creusé? Là là? Non. Non. Non, j'ai absolument pas creusé ici. Hein. Bon, regardez-moi la salle de fin. On avance toujours. Bon, allez, on fait la remontée rapidement puis on débriefe ça tranquillement. Bon bah voilà, on est arrivé à la salle de fin pour cette sortie. On espère trouver autre chose, mais comme vous le voyez, la suite est plus haut, donc il va falloir plus de matos de cordes. Je voulais vite faire revenir sur l'accident qui m'est arrivé du coup pendant la remontée. Donc juste avant, pensez déjà à vous abonner, à cliquer sur la cloche avec toutes les notifications. Et pensez du coup à la liker du coup si vous avez kiffé la vidéo. Donc en remontant, après plus de 10 heures sous terre, on est arrivé en fait à la salle Raymond Constant. On n'était plus que 4, les autres étaient déjà remontés, ils étaient un peu fatigués. Je suis le premier à passer. Où je prends une pierre sur la tête directement, sans prévenir, elle n'a pas fait un bruit ni rien, elle faisait entre 4 et 6 kilos à peu près, elle s'est cassée en 1000 morceaux quand elle a touché le sol, du coup je ne peux pas vraiment savoir. Et elle est tombée de 14 mètres de haut, enfin en tout cas c'est ce qu'on pense, et en gros elle a détruit le côté droit de mon casque, a rebondi dessus et m'a écrasé l'épaule.
À l'heure où je parle, ça fait un mois que c'est arrivé, j'ai encore quelques séquelles à la nuque, c'est un peu compliqué. Mais en fait, le truc, c'est surtout que quand ça t'arrive, ben, t'es sous terre, à moins 300 mètres, et tu fais « Bon, bah les gars, je peux pas appeler l'hélico, je peux pas, y a rien qui peut venir me chercher, donc il va falloir remonter tout seul. » Et c'est ça qui a été compliqué. On est remonté par les petits puits. Heureusement qu'ils étaient là, parce qu'il y avait un système de poulies, ils ont pu m'aider à remonter en me tractant et tout. Au lieu de mettre 3 heures de remontée, on a mis 7 heures, donc incroyable. Ça a été les boss, parce qu'on devait sortir vers 21h, on est sorti plutôt à 2h, 3h du matin, donc ça commence à faire, surtout pour les gens qui étaient au courant qu'on devait sortir à 20h, 21h à la sortie. Mais on a réussi, et je peux vous le dire, le pire des passages, c'était le petit boyau, juste avant coloscopie. J'ai dû remonter sur le bras droit, du coup c'est le bras droit qui a pris, était en PLS absolu, rien de cassé, était juste écrasé, et là j'ai dû appuyer dessus et tout, l'enfer. Mais bon. Voilà, c'était pour vous faire quand même le petit débrief, parce que pas mal de gens qui ont suivi cette histoire sur Instagram me l'ont demandé en débrief. Je voulais pas forcément faire une vidéo spécifique. Bon, écoutez les gens, je vous ai déjà demandé de vous abonner, etc. Mais n'oubliez pas qu'il y a mon Tipeee aussi. Et franchement, vu comment YouTube démonétise des choses, je vous conseille d'aller y faire un tour si vous voulez faire partie de la Dream Team. Et bah du coup, nous on se dit à une prochaine vidéo, et ce sera direction la montagne. C'est assez stylé. Allez, ciao, à la prochaine.